Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'Asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation à Grub Hut. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Alors, regardez ce que je me suis procuré. Alors, c'est le burger verde, El Verde. Il y a plein d'ingrédients verts, bien sûr, il y a du fromage qui fond. Voilà, c'est hyper gâté, c'est costaud. Ou un peu la graisse qui tombe là. Regardez l'accompagnement de frites, c'est gigantesque. Ça m'a coûté 13 $. Alors, je me suis pas procuré que ça. C'est 16 ounces de milkshake et parfum cheesecake. Alors, ce que j'ai acheté ça m'a coûté 13,90 $. Bien sûr, j'ai laissé 1 $ de pourboire parce que je suis sympa comme ça. Et voilà, ça c'est mon déjeuner d'aujourd'hui. C'est hyper costaud ce que je mange là. Il y a du bacon dedans. Ça, je rigole pas. C'est hyper costaud. Ah. Je peux goûter les avocats. Oh là là, c'est hyper bon. Officiellement un de mes burgers préférés. D'après ce que les gens disent sur leur publicité, c'est de la bœuf bio. Pas de produits chimiques incrustés dans la viande et aussi sur les légumes. Je ne suis pas sûr si c'est la vérité ou pas, mais au moins ils le disent. Oh là là. Alors, je peux goûter les ingrédients mexicains. Il y a la sauce salsa dedans. Ça, je peux goûter. Oh là là, c'est gigantesque. Avocat. Malheureusement, ça dégouline un peu partout. Des frites énormes. Elles sont très fines, comme vous pouvez le voir, et salées et croustillantes. Parfait. Grub Hut. J'ai goûté, la dégustation a duré à peu près 2 minutes, même moins de 2 minutes. Je dirais que c'est un de mes burgers préférés de tous les temps. Quand je parle de burger, je parle particulièrement artisanal ou restaurant familial. Le prix est un peu fort, quoi. 9,75 $. Mais c'est un restaurant familial. Non, pour 10 $, c'est ça. Pour quelques dollars de plus, c'est ça aussi. Alors, j'ai pas encore goûté le milkshake qui est cheesecake. Alors, je vous dis actuellement que j'ai jamais goûté du milkshake qui a le parfum de cheesecake. Je vais le faire maintenant. Ça fait un peu la coco. Goût coco, je sais pas si ils se sont trompés. Peut-être que le cheesecake goûte comme ça, c'est tout. Oh, je suis hyper gâté. Si vous avez remarqué, oui, j'ai bien rasé ma tête et je suis bien chauve. Certains événements se sont passés dans ma vie et je voulais faire un nouveau recommencement. Se raser la tête symbolise ce nouveau commencement. Bon, je ne vais pas parler de grands détails de ma vie personnelle, mais c'est traumatique, donc j'ai décidé de me raser la tête pour cette raison. Ouais. Ça, c'est gigantesque. Il est hyper costaud, ce burger.
pas la première fois que je suis venu sur l'île de Kingston. J'ai déjà fait une série de vidéos qui sont déjà téléchargées pendant été 2021. Si ça vous intéresse, veuillez chercher sur ma chaîne YouTube, ou si vous voulez pas, je fournis les liens dans la barre d'infos ou dans la barre de commentaires en bas. Ou là, ou quelque part. C'est mon deuxième retour sur Kingston. Et vu que je vais... je voulais profiter du soleil, quoi, parce que actuellement, c'est pas les vacances d'été du tout. C'était la fin, donc il y a moins de touristes, moins de gamins, parce qu'ils sont tous à l'école. C'est hyper bon. Je pense qu'ils m'ont donné un peu trop de frites, à mon avis, c'est un peu trop. Faut savoir profiter dans la vie. Savoir profiter. Savoir que dans la vie, y a des choses qui vont se passer qui ne sont pas de ta faute. Il faut savoir accepter, assumer. Et écoute, tourner la page, continuer avec la vie. Je parle à par rapport à mes à les événements qui m'ont motivé de me raser la tête. Excellent. C'est hyper bon. Je recommande Grub Hut. Si un jour vous passez dans l'agglomération de Seattle, vous prenez le ferry Edmunds Kingston, venez au Grub Hut. C'est hyper bon. $9.75, c'est pas mal. Est-ce que ça m'écœure de faire ces dégustations? Moi, je dis oui. Je veux vraiment faire des changements dans ma vie. Et ce qui va se passer en réalité, c'est que je vais diminuer les montants de vidéos que je télécharge par mois. Au lieu de 2 ou 3 vidéos, j'ai décidé d'en faire qu'un seul. Et ça, c'est pour économiser l'argent. Mais aussi que je veux pas manger trop de fast-food, quoi. C'est pas bon pour la santé. C'est l'automne actuellement, automne 2021. En fait, c'est presque le milieu. On est au milieu du septembre, 16 septembre plus précisément, que je filme cette vidéo-là. J'adore faire les dégustations, pas tous les jours. J'espère à vous tous, mes téléspectateurs francophones qui visionnez mes vidéos, je vous souhaite vous tous vraiment une bonne vie, bonne chance, que les choses passent bien dans votre vie. Des mauvaises choses se sont passées dans ma vie, mais tout ce que je vais faire, c'est vous divertir. C'est tout. Il y a beaucoup trop de frites, comme vous pouvez voir d'ici. Non, on pouvait pas voir. Mes mains sont trop sales, je peux même pas toucher la caméra. Je vais finir mon hamburger. C'est pas trop mal. J'ai goûté le bacon aussi.
Hyper bon. Je peux goûter la sauce salsa, très populaire dans la cuisine mexicaine. Ça dégouline partout. C'est gâté. Je ne peux jamais traiter ce restaurant d'être radin avec leurs ingrédients. On est gâté. Assez à propos de moi, qu'est-ce que vous pensez de Grub Burger, le burger que vous avez visionné? Si vous avez déjà essayé des burgers, des restaurants familiaux, je voulais dire, dites-moi dans la barre de commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans cet épisode Grub Hut. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Ciao ciao.